Donc bienvenue pour cette deuxième rubrique culturelle pour Dora Suarez. Donc cette fois-ci, je vais vous emmener aux États-Unis pour deux chroniques de bouquins qui sont sortis il y a un petit moment en France. Le premier, qui est un véritable petit chef-d'œuvre, on va dire, d'intelligence, c'est ce voyage que Pauline Guénat et Guillaume Binet vous invitent à faire à leur côté, à la rencontre de 26 auteurs américains d'aujourd'hui. Vous y apprendrez tout sur le monde de l'édition à l'américaine, sur leurs techniques de travail, sur leurs inspirations, et vous allez rencontrer du très très beau monde, parmi lesquels Russell Banks, William Kennedy, Denis Lehane, Thomas McGuire, George Pelecanos, Ron Rash, entre autres. Donc vous aurez 26 versions du métier d'écrivain, de la vision américaine de la littérature qui est complètement différente de la nôtre. C'est paru chez Robert Laffont. Et le plus, on dira, ce sont les photos extraordinaires que Guillaume Binet a fait tout au long de leur périple à l'américaine. Ils sont partis un an, faut le savoir, avec enfants, sur les routes, en camping-car. Donc c'est quand même à souligner. Le deuxième, c'est celui sur New York, qui est paru chez Actes Sud, qui est une anthologie de la ville, qui est basée sur la société américaine dans son ensemble, mais spécifiquement autour de New York, et les écarts qui se creusent entre riches et pauvres, et la vision de 30 auteurs. Donc vous allez avoir des essais, des nouvelles, des expériences personnelles, des témoignages, et vous avez vraiment tout sur le phénomène de paupérisation de la population new-yorkaise, et on va dire le repli des classes populaires hors de la ville et tout le côté de gentrification, c'est-à-dire réhabilitation des quartiers pour les ultra-riches. Ceux qui sont fans de Gossip Girl comprendront de quoi je parle. Voilà, à bientôt.